sous la menace d'une mise en examen dans l'affaire Business France. Et on le sait, le Premier ministre Édouard Philippe il a dit si on est mis en examen, on doit démissionner. Donc on se pose la question de savoir si vous serez là dans 6 mois, tout simplement pour voir les effets de cette réforme. Alors, j'ai répondu 200 fois à cette question. Oui, je dis juste que je dirigeais Business France, qui est une agence publique, que j'ai été informé d'un problème, que j'ai fait faire un audit, c'est moi qui ai déclenché l'audit. L'inspection générale a confirmé, je suis extrêmement sereine et donc la question pour moi ne se pose pas. Donc vous serez là dans 6 mois. En tout cas, c'est ce que vous vous dites en tant que ministre du Travail, vous souhaitez être annoncé. Je suis concentré à 100% parce que ce qui me paraît le plus important, c'est comment ces lois, ces progrès vont être perçus dans 2-3 ans comme un progrès pour les salariés, un progrès pour les chômeurs et un progrès pour les entreprises. C'est tout ce qui m'intéresse.